projet, c'est de renforcer notre partenariat et surtout d'être efficace. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons entendu l'appel de nos populations qui souhaitent avoir des actions concrètes sur le terrain. Et aujourd'hui, la Chambre de commerce et le département, mais l'ensemble des institutions, puisque la Chambre de commerce l'a fait avec l'ensemble des institutions, vont aller dans le bon sens des choses, c'est-à-dire l'intérêt de nos territoires, l'intérêt de nos habitants. Je pense que sur le principe, il faut arrêter de dissocier le département de la région, de la métropole, des communes. Je crois que c'est un ensemble. Et l'ensemble que nous faisons chacun dans le cadre de nos compétences, bien entendu, eh bien, permet d'avancer. Nous essayons d'intégrer un maximum de personnes qui sont en recherche d'emploi, notamment au niveau du RSA. Nous créons les infrastructures pour permettre justement les entreprises de pouvoir s'installer au niveau des établissements scolaires, mais aussi au niveau de logement, au niveau des routes. Donc vous voyez, c'est assez large. Et puis après, les autres acteurs interviennent directement sur, par exemple, de l'aide directe à l'entreprise. Ça, c'est la région, la métropole. Donc je crois qu'aujourd'hui, le message qui est à donner, c'est que la totalité des acteurs locaux ont un objectif, c'est le zéro chômage. Et c'est ce que nous allons essayer de faire.